le veux tout de suite ton gâteau? Est-ce que tu le veux? Ah, tu le veux tout de suite. Très bien. Ça, je suis contente que tu aies faim. Est-ce que tu aimes les petits gâteaux avec de la confiture de fraises? Oui? Tu vas aimer, je suis sûre. T'as un grand sourire. T'es content d'être à Paris? De réparer ton cœur. Tu vas venir réparer ton cœur. Regarde, avec de la confiture dedans. Tu veux? Tiens. T'as faim? Voilà. Allez, on va voir le docteur. Me donne la main? Faut pas faire attention, monsieur. C'est comme s'il était plus là, Frédéric. Tu sais ce qu'il fait, Frédéric? Frédéric, il est en train de prendre un film, comme ça après on pourra se regarder à la télévision. Les dames, elles vont s'occuper de nous. Il faut de la respiration tout de suite qu'ils ont, qui est essoufflée. Oui. Donc là, il est venu en poussette. 18,7. Okay. Voilà, c'est bon. Tu peux descendre. 115. Voilà, on peut se rhabiller. On peut se rhabiller. Ah oui, il est sorti à toute vitesse de l'avion. Il est. Ah bah dis donc. Alors ça y est, l'électrocardiogramme est fait. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jonas. Jonas est très gentil. Et donc, qu'est-ce que t'es chic. Ouais. Waouh. T'es très élite comme Jonas. Le diagnostic est une abso de type 3. La circulation pulmonaire étant assurée par des collatérales qui vascularisent deux branches de l'artère pulmonaire qui paraissent de bonne taille, autour de 7 mm. Évidemment, il y a un souffle, mais c'est pas un souffle, c'est d'un souffle continu qui évoque le bruit de la mer. Du vent dans les roseaux. C'est bon, ça. Et ça, c'est bon signe? Non. Non, ça veut dire qu'il y a des circulations collatérales. Je préférerais un bon souffle continu de canal. Alors la paix gauche, je la trouve petite. Mais la paix gauche, c'est très difficile à voir en écho. Donc j'essaye de la voir à l'endroit où elle croise en avant la horde descendante. Et elle me paraît vraiment petite. C'est quelque chose de complexe. Mais il y a un peu de grain à moudre, comme diraient les syndicalistes. Parce qu'il a quand même une belle artère pulmonaire droite. On peut très bien l'améliorer suffisamment pour dire, bon, allez, fais ta puberté, on se retrouve dans 10 ans. D'accord. Et là, on peut peut-être lui mettre une valve, le réparer complètement. Une fois qu'il a la taille adulte. Ouais. Mais il faut que la préparation qu'on a fait soit une bonne préparation. Il est d'une élégance. Oui, c'est fou. Très beau. Il est beaucoup plus élégant que son cardiologue. Hein. C'est différent.